Merci. Et puis, bonne chance. Et puis, merci pour votre aide. Et on vous expliquera tout ça ce soir. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis, à voter. Et pourtant, il a été élu. Gagnez bien, hein. Gagnez bien. Allez, bonne chance. Vous êtes dans l'hôtellerie, vous? Bah, oui, c'est dans l'hôtellerie. Mais dans la région, bien sûr. 15 ans, j'ai créé un hôtel. Et on vous souhaite bonne chance pour la compétition. Et je souhaite vous soirée, donc un grand merci à toi, Eve. Et donc, je vais vous présenter le président de l'association donc, Sauver les éléphants d'Afrique, Frédéric Noël, et Elisabeth, donc, qui a fait le film que vous allez découvrir tout à l'heure. On accueille, voilà, pas à leur faire un don, à parrainer donc un éléphant. Ils vont vous expliquer, oui, ils vous l'ont déjà expliqué. Je voulais dire un grand merci à Eve Hubert qui a organisé cette journée et un grand merci à Madame Locke qui nous a permis d'organiser ici aujourd'hui cette manifestation. Donc grosso modo, donc on a une association comme porte son nom. Nous occupons tout particulièrement des éléphants d'Afrique, on essaie de les sauver, notamment au Kenya. Donc on travaille à la fondation Sheldrick qui s'occupe de récupérer tous les orphelins dus au braconnage essentiellement. Et donc cette fondation fait un travail formidable. J'ai une petite pensée pour Madame Sheldrick qui est décédée il y a 3 mois. C'est la fondatrice qui a eu malheureusement un cancer. Sa fille a repris la relève. Donc grosso modo, ces gens font un travail formidable. Ils récupèrent tous les orphelins. Donc il y a un orphelinat à Nairobi. Ensuite, il y a 3 centres de réintroduction dans la réserve de Tsavo au Kenya. Donc un centre à Voi. Aujourd'hui, il en reste à peine 400 000. À savoir qu'on tue un éléphant tous les quarts d'heure. Donc on en tue 25 000 par an. Donc si on continue comme ça, dans 5 ans, il n'y aura plus d'éléphants en Afrique et dans le monde. Ils auront disparu. Donc je remercie tous ceux qui nous aident pour essayer de les sauver. Donc si certains sont intéressés, vous pouvez parrainer un éléphant 35 euros par an. Je dis bien 35 euros par an. Et nous, vous tiendrons au courant tous les mois de votre orphelin et de tous les projets et de tous les orphelins de ce que fait la Fondation Sheldrick au Kenya. Voilà. C'est un combat, c'est une guerre, c'est un génocide, à savoir que ça finance le terrorisme comme Al-Qaïda, Daesh, les Chebabs, c'est eux qui font ça pour alimenter le marché chinois, pour avoir des objets en ivoire chez eux. Quoi. Donc je trouve ça, c'est un gâchis, à savoir que c'est nous on les côtoie toutes les années les éléphants. Ce sont des animaux formidables, voilà, et comme on dit, mémoire d'éléphant, c'est vrai. On a eu l'occasion de le tester, quand ils partent à l'état sauvage, ils nous reconnaissent. Ça, et donc, je voulais juste donc avoir deux petits cadeaux. C'est DG André qui vous remercie, d'abord pour Eve, voilà, et pour Madame Locke, voilà, c'est un petit... Bonsoir à toutes et je suis très heureuse d'avoir la possibilité de venir ici vous montrer un extrait d'un documentaire que j'ai réalisé sur ce travail de Daphne Sheldrick dont Frédéric Noël vient de vous parler, qui est la seule femme au Kenya à avoir sauvé des éléphantaux dont la mère et le troupeau avaient été assassinés. Les éléphantaux sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils vivent, si on les laissait vivre, 65 ans, et ils sont adolescents vers 11-12 ans. Et lorsqu'ils sont laissés seuls, après l'assassinat de leur mère et de leur horde, ils sont incapables de vivre. Et ce qui m'a beaucoup touchée en tant qu'être humain, en tant que femme, c'est cette femme qui a consacré sa vie à trouver la formule du lait, parce que le petit éléphanto, malgré ses 130 kilos, est très fragile. C'est-à-dire que si on lui donne du lait de vache, il meurt. Et elle a trouvé la formule du lait qui permet de les nourrir pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à les ramener à la vie sauvage. Le petit film que vous allez voir fait 5 minutes. C'est un extrait du documentaire qui fait 40 minutes. Le film montre le travail de Daphne Sheldrick et le fait que ces éléphants retournent à la vie sauvage, ce que personne avant elle avait réussi à faire. Donc je vais avoir le plaisir de vous présenter ce petit
teaser de 5 minutes sur l'écran qui est là-bas. Merci. The number of dead elephants, the number of elephants being killed every single year, and in fact, every single day. Working with the elephant is my passion, and I can tell many people in the world that rich elephants are blessed. Le projet de la Fondation Sheldrick était vraiment un projet fabuleux qui permettait à des petits orphelins traumatisés à pouvoir retrouver confiance dans une famille humaine, de retrouver une famille d'éléphants et un jour de pouvoir faire l'état sauvage. Certains des grands mâles sauvages ne connaissent pas encore les règles du jeu. Because if you would have gone to the man, he has a little bit of water for my father. Yes. Why is he using the clean water? Yeah. That's unacceptable.